Predrzen rop se je začel okoli 18. ure, ko je 5 moških razbilo izložbeno okno trgovine v hotelu Ritz v središču Pariza, neposredno ob stavbi francoskega ministrstva za pravosodje. Roparji, ki so bili oboroženi z noži in sekirami, so iz letarne odnesli razstavljene predmete v skupni vrednosti več kot 4 milijone evrov. Ker je rop potekal v času, ko so bile ulice in kavarne polne, so roparje med delom opazili številni očividci. On nous a demandé de pas nous retourner et en fait on s'est retourné et là j'ai vu des hommes cagoulés avec des armes et puis après moi mon seul but c'était de sortir de là donc je suis partie par l'office en fait du bar et je me suis enfuie j'ai couru. V ropu je sodelovalo 5 moških, ki jih je med dejanjem zalotil policist in poklical okrepitve. Kmalu je zavladala panika. Donc vers 18h30, 19h, un gros bruit dans la rue Cambon, beaucoup de raffus. On a essayé de sortir la tête pour voir ce qui se passait et des passants nous ont dit de nous barricader dans l'établissement. Beaucoup de passants également se sont barricadés, se sont réfugiés au sein de notre établissement. Po poročanju prič je bilo med akcijo izstreljenih 10 strelov. Neki uslužbenec hotela naj bi bil lažje ranjen. Policija je na kraju dogodka aretirala 3 roparje, 2 pa sta uspela zbežati skozi zadnja vrata. Eden izmed roparjev je med begom z motorja odvrgal vrečo s plenom, med katerim so bile drage ure in nakit. Vsi 3 aretirani so bili stari znanci policije, rop pa so izpeljali pod krinko. Donc du coup, j'ai uniquement pu voir l'une des personnes interpellées monter dans le véhicule de police avec 4 policiers. Il était habillé en déguisement de peintre en bâtiment. Lastnik hotela Ritz je znani egiptovski poslovnež Mohamed Al-Fayed, oče Dodija Al-Fayeda, ki je skupaj z britansko princeso Diano umrl v avtomobilski nesreči leta 1997. Ropi zlatarn in draguljarn v tem delu Pariza sicer niso nič neobičajnega.